On est à Soussine, c'est un village qui est à 1065 mètres d'altitude. C'est un village qui existe depuis des milliers des années, des années. Le point le plus rassurant de ma vie, elle est ici. C'est un grand sentiment, un sentiment d'amour, des villages, des ancêtres, du passé, de l'avenir, et de toute la beauté, un grand sentiment. Malgré la broussaille qui arrive, malgré les pierres qui tombent. Ce que je fais, c'est romantique, mais c'est tout. Ça sert à rien d'un peu de temps, ça peut tout s'effondre. T'attends quoi? J'attends, je ne peux pas trop dire ce que j'attends parce que c'est peut-être pas réel, c'est que le village soit refait tel qu'il est. Moi, je viens faire compagnie les villages, faire compagnie à tous ceux qui sont passés, qui sont déjà morts. Et je viens accueillir tout le monde qui vient et surtout travailler pour que les points soient accueillants. Viens, vamos, vamos, corre, corre, vamos, viens. C'est tant d'abandon et tant d'oubli, comme si d'un verdadero cementerio se tratara. Muchos de los llegados conocerán por vez primera el terrible poder de las ortigas, cuando, adueñadas ya de las callejas y los patios, comienzan a invadir y a profanar el corazón y la memoria de las casas. Mira, ¿dónde están los gatitos? ¿Dónde están los gatitos? Hola, hola, cariño. Hola, hola, hola. Güey, hola, buenos días. Buenos días, hola, gatito, vamos. Sí, mi vida, sí. Ya voy, corre, vamos. Miau, miau. Vamos a casita. Vamos a casita, que os voy a dar de comer. Os voy a dar de comer. Miau. ¿Dónde están los gatitos, cariño? Ven, mira la carita, hay una carita por ahí. A ver, vamos a abrir. ¿Qué? ¿Qué? Uy, 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 uy. Güey, güey, bonita, cariño, ven, ven. Uy, 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 uy. Güey, 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 sube, corre, sube. Ven, toma, bonita, toma. Güey, toma. ¿Qué tiene? Toma, güey, güey. Ven, güey. Vale, fuera. 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 ¿Por dónde has entrado? ¿Por dónde has entrado? Fuera. Hay trabajo. Il faut que j'enlève l'herbe, c'est que je dois le faire immédiatement parce que ça pousse. Oh là là. Je cultive un peu de tout, des haricots, des tomates, des oignons, des blettes. Et en ce moment, il reste des poireaux de l'année dernière. Et là-bas aussi, quelques oignons, et des piments, des poivrons, mais en petite quantité de la salade. Ça prend bien ici avec... Oui, ça prend parce que tout le monde dit que ça ne va pas prendre parce qu'il y a des gros arbres tout autour. Mais c'est justement qu'en été ici, il fait très chaud. Et comme ça, ça permet de. Il n'y a pas la chaleur trop forte. Et ça fait que ça prend vraiment bien.
je vais à l'église, j'allume ma petite bougie. C'est comme que la lumière soit dans tout, dans les bâtiments, et puis je me mets à travailler, quoi que ce soit. Mia? 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 Es que estoy buscando la leña más seca que funcione mejor y esta. La soledad, es cierto, me ha obligado a enfrentarme cara a cara conmigo mismo, pero también como respuesta a construir sobre recuerdos las pesadas paredes del olvido. Y esa era la única manera que tenía de sobrevivir entre tanta ruina y tanta muerte. La única posibilidad de soportar la soledad y el miedo a la locura. A partir de ese día, la memoria fue ya la única razón y el único paisaje de mi vida. De pronto, el tiempo y la memoria se habían confundido y todo lo demás. La casa, el pueblo, el cielo, las montañas, había dejado de existir, salvo como recuerdo muy lejano de mí mismo.